frickin' awards. Je suis joueur de KRC Genk, j'ai 28 ans, international sénégalais. Mon poste est milieu défensif. Je pense que l'évolution, ça se passe plutôt bien, parce que les débuts n'ont pas été faciles. Après, derrière, je n'ai pas eu le temps de calculer comment ça se passe ou comment ça ne se passe pas, parce que depuis mon arrivée, je pense que le mois de janvier, on a eu à faire 8 matchs en 24 jours. Donc, je n'ai pas eu le temps de pas m'entraîner ou calculer ce qui se passe, c'était juste le match par match, il fallait gagner pour remonter au classement. Il y avait aussi les matchs de coupe qui étaient en train, il fallait gagner pour se qualifier aussi. Mais aujourd'hui là, ça se passe super bien. Il y a un vestiaire super sympa, il y a de très très bons joueurs, et quand tu es avec de très très bons joueurs, ça facilite l'intégration. Dans le foot, il y a des choix à faire, et je me suis dit que peut-être que Genk, c'était le choix qui m'allait le mieux. Ça me correspondait par rapport à... Je suis déjà venu jouer ici, j'ai déjà joué contre eux et je me suis dit pourquoi pas essayer ce challenge-là. Dans le foot, on ne peut pas dire si on compte avancer ou s'arrêter parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer demain. Il faut juste se focaliser sur chaque week-end, faire son match, après on verra ce qui va se passer derrière. Ça fait toujours plaisir, c'est une fierté de savoir que le travail fourni sur le terrain tous les week-ends est vu par d'autres et récompensé par des votes. Ça reste toujours une fierté. Une motivation, oui. Un passeport pour d'autres, je pense pas. Parce que la motivation, ça reste qu'il y a des gens qui te suivent, qui ont été reconnaissants, ils ont voté pour toi. Donc, ils te mettent la pression à continuer à bien travailler et ne pas redescendre, en fait. Je dirais aux supporters de les remercier déjà avant tout, de remercier toutes les personnes qui me soutiennent et qui me suivent depuis. Et que parfois, c'est pas difficile, parce qu'il y a des moments, il y a des hauts et des bas, comme dans toute vie. Mais de continuer à y croire et de continuer à me supporter, parce que ça donne de la force pour aller toujours vers l'avant. Je dirais bonne chance à tout le monde, parce que chacun mérite de gagner, parce que j'ai vu les nominés, et je dirais que chacun a fait une très très bonne saison. Et chacun mérite de gagner, donc bonne chance à tout le monde, et que le plus chanceux gagne. African Awards. Bonjour tout le monde, moi je m'appelle Anthony Mbombé, j'ai 23 ans. Je suis joueur de Bruges et maintenant c'est ma deuxième année ici et je suis très content. Ça se passe bien parce que au début j'ai eu des difficultés et après c'est parti bien et voilà, en ce moment on est premier et j'espère de terminer champion comme pour les supporters, surtout pour nous, et voilà, ça nous fera du bien. Oui, je suis très fier de moi. Après, je pense que c'est pas que moi qui a fait ce travail. C'est aussi le club de Bruges, parce que à partir de cette année, j'ai commencé à jouer comme latéral gauche. Et en équipe nationale aussi, on joue comme ça. Et voilà, je remercie le staff, je remercie mes coéquipiers. Et voilà, je suis content du travail que j'ai fait. Volgende stap voor mij is, dat kan ik nu nog niet weten, maar ik heb natuurlijk ook mijn ambities. Ik wil natuurlijk ook hogerop. Alleen wil ik eerst kampioen spelen, daarna zullen wij zien wat er komt.
Maar ik denk dat ik niet de enige ben waar clubs in geïnteresseerd zijn. Ik denk meerdere spelers. Want we hebben, we hebben met het hele team goed ons best gedaan. Alleen, ik heb geen voorkeur van de competitie. Maar ik denk dat ik wel klaar ben voor een volgende stap. Ben, déjà, je voudrais remercier le club de Bruges pour le travail qu'on a fait ensemble. Je remercie aussi les supporters. Tous les fans de Bruges, aussi mes parents, les gens qui sont proches de moi. Et voilà, ça c'est les gens qui me motivent et ça me donne la force pour continuer. Mes coéquipiers, on a fait le travail ensemble. Hein. Si j'ai marqué les buts, c'est à cause d'eux. Si les autres ils ont marqué, c'est aussi à cause de moi. Et voilà, je les remercie très fort. Je remercie aussi l'entraîneur et tout le staff, que ce soit les entraîneurs, que le staff médicaux. Voilà, ça fait plaisir. Déjà, tout le monde qui est nominé, je les félicite parce que j'ai vu les noms. Ce sont tous des très bons joueurs qui jouent dans des grands clubs. Et voilà, même si j'espère de gagner, ben, eux aussi méritent, sinon ils n'allaient pas être nominés. Mais déjà, je les félicite et voilà que le meilleur gagne. African Awards.